Salut Spiro, veux-tu apprendre à nager sous l'eau? Je pourrais te le montrer contre une petite récompense. Plonge dans l'eau et utilise les touches directionnelles pour nager à la surface, et la touche carré pour plonger. Sous l'eau, appuie sur la touche croix pour nager et sur la touche carré pour attaquer. Les idoles que nous taillons sont devenues des êtres vivants. Elles ont envahi nos temples et elles ont volé nos vivres. J'ai été enfermé ici avec tous nos outils, et les idoles géantes empêchent les ouvriers d'entrer tant que nous n'aurons pas résolu les trois problèmes qu'elles nous ont posés. Le premier problème consiste à rendre tous ces blocs jaunes. Si tu n'y parviens pas, reviens me voir. Spiro, tu as réussi! Je savais que je pouvais compter sur toi. Rejoins-moi à l'étang pour la prochaine épreuve. L'idole a faim et ne sera rassasiée qu'après avoir avalé 10 poissons. Son estomac est fragile. Fais attention aux poissons que tu lui donneras.
Spiro, il te reste un dernier problème. Rejoins-moi aux pierres colorées pour ton épreuve finale. Ces boucliers en métal rendent les ennemis invulnérables aux flammes. Maintiens la touche carrée enfoncée pour les vaincre en les chargeant. Pour diriger la caméra vers la gauche ou vers la droite, appuie sur les touches L2 ou R2. Si tu sautes d'une pierre à l'autre dans le bon ordre, le problème sera résolu. Je ne connais que la première pierre. À toi de te débrouiller. Vas-y. Bien joué, Spiro. Tu es un dragon très rusé. Voilà un objet brillant que j'ai trouvé dans notre boîte à outils. Thank you.
Spiro, tu es très courageux. Si tu cherches du travail, nous avons un poste pour toi ici. En attendant, je te donne ce talisman. De te voir, Spiro. Maintenant que la super recharge est activée, tu peux foncer sur les piédestaux et envoyer les danseuses de Hula par ici pour m'aider. Regarde! La danse de la pluie Hula a annihilé cette idole comme on souffle une bougie. La carrière de danseuse dont je rêvais me tend enfin les bras! Prends ce joyau, il te sera utile dans tes voyages.